Eh bien bonjour les amis, ici Chronos83 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va s'occuper de quelque chose de fondamental pour une maison, la décoration. Alors on va faire ça petit à petit, hein. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il me faudrait? Un piston collant, bah c'est nickel, un piston collant. Il me faut... Parce que ça c'est... Comme je vous ai parlé dans le dernier épisode, on va se faire un ascenseur. Ça va me coûter très cher en slime block tout ça, en slime ball tout ça. Donc comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, on va se faire tout ça. Alors, je sais pas encore comment, ni pourquoi, ni comment, etc. Niveau déco, mais on va se démerder pour rendre ça intéressant. En tout cas pour la maison. En slime block, il faudrait... Le bloc c'est là. Stone, voilà. Hop. Il va commencer à faire nuit, donc on va dégager les shaders. Petit à petit. Et puis bah on va commencer. Je vais tenter de faire le mini ascenseur. Je vais prendre la redstone au cas où, hein, je l'ai jamais fait. Mais on va improviser ça pour rendre ça. Sap. Hop. Donc moi je le voyais bien ici. Donc genre. Hop. Bon, déjà, est-ce que ça nous balance jusqu'ici? C'est... Telle est la question, n'est-ce pas? Est-ce que ça marche ici? Ah! J'ai oublié un truc fondamental. Tac. Hop. Voilà. Vous avez deviné. Faut plus. Peut-être que finalement ce sera pas la meilleure solution. En même temps, je suis un peu stupide. Non, je vous avoue que je suis juste des tests, hein. Donc alors, hop, en effet, si je fais ça. Ok, ça marche. Je crois même qu'on a même pas besoin de ça. Et j'ai l'impression que ça ne me lève pas assez haut. Si c'est le cas, c'est pas dommage. On va le foutre ici, hein. Écoutez, on va tester. Voici. Vous voyez, c'est nickel, non? Et là, vous descendez comme ça. Ouais, en plus c'est largement faisable. Ça me paraît pas mal. Donc voilà. Au moins, on est sûr que ça marche. Que niveau portée, on est bon. Y a pas un problème là? Je suis pas censé avoir du quartz sur moi. Je vais voir derrière. C'est bizarre tout ça. Non, pas de quartz. What the fuck? Je pense que je l'ai coupé. C'est probablement la raison, mais... Il y a en dessous. Non. Du quartz. Ah, c'était pas de la sandstone ici. Bon, peut-être qu'il y en a en haut. Bon, on va aller en crafter. Écoutez les amis, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Soit. Boum. Donc oui, j'ai commencé à mettre mon stuff en diams, hein. On va enfin se balader stuff diams. Vu qu'on a les diamants et l'XP pour réparer les stuff à chaque fois. Donc c'est nickel, hein, pour le moment. Écoutez, rien à dire. Concernant Balou, normalement il devrait pas tarder à revenir, j'en ai absolument aucune idée. Je vous avoue que là, je suis dans le flou totalesque, total. Voilà. Parce qu'on a fait la petite récolte de quartz avec Clemtis. Au vu de la construction de la maison qui nous a coûté extrêmement, mais alors extrêmement cher.
Je suis désolé de pas vous faire ça en best-of hein, pour la maison ou ni en accéléré, mais il faut bien qu'on fasse ce qui doit être fait. Comme ça, au moins, vous savez globalement ce qu'on fait pendant que. Pendant que voilà. Alors. Comment on pourrait se démerder pour faire ça? Déjà, pour rendre le truc mieux, ce serait bien de le foutre quelque part vers là. Mais quand on y pense, pour récupérer le courant, ça me semble être compliqué. Ici, c'est largement feu. Ouais, ici, genre. Tac, ça nous soulève, d'accord. Faut tenter avec les 5 redstone que j'ai ici de faire quelque chose. Ça risque d'être. Non, ça devrait le faire. Non. Je pensais. Oula, mon Dieu. En fait, j'ai pas envie de faire tout le tour. J'ai juste. J'aurais voulu peut-être faire ça avec une torche de redstone pour faire un truc hyper compact. Parce que sinon, j'aurais clairement pas assez pour faire un tour comme ça. Tac-tac, vous voyez. On va faire ça, on va pas se faire chier parce que si je fais ça avec la torche de redstone, ça risque d'être un peu plus chiant à faire. J'ai envie de faire ça dans un petit espace et mal. J'aurais peut-être dû prendre un creepiter. On verra bien, écoutez. Hein. On fera avec les moyens du bord. J'ai pas envie de trop me casser la tête. 5 autres, ça devrait être bon. Je sais pas combien il m'en fallait donc. Tac. Falloir que commence aussi à couper le bois pour histoire de la mettre de côté. On verra bien aussi pour ça. Donc tout ça, vous voyez qu'on va le faire petit à petit. La déco globale de la maison, je pense que je la ferai en off quand même pour pas vous l'imposer, pour que je puisse un peu regarder des petits exemples sur Google. Ouais, ça suffit largement. Et normalement. Ah d'accord, je comprends où est-ce qu'ils étaient passés. Vous comprenez vous aussi? Voilà. Si vous comprenez, on se comprend. Donc, il faut relier tout ça. C'est ça le problème des coins, c'est ces murs-là en fait. Si je casse ces murs, ça donne quoi? Donc c'est plutôt le sol. Ce qui est bien comme ça, c'est que vous voyez, ça impacte 2 du sol, mais. Ici c'est bon. Ouais, c'est les murs. J'espère que ça va pas niquer la maison tout ça. On va régler ce problème de constipation occasionnelle. Désolé pour dire de la merde, mais il faut bien dans la vie. Oui, évidemment, si je mets pas le slime block. D'accord, donc oui, en effet, ça peut pas déplacer les 12 blocs. Alors, ce que je craignais, c'était faire ça, justement. Je pensais que ça pouvait le soulever tout de même. C'est de devoir foutre des fours sur les murs et tout, donc on va pas pouvoir le foutre au milieu. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir le foutre? J'en ai aucune idée, mais il va falloir rendre ça beau. On peut pas le foutre au milieu, et il faut faire des fours. J'ai pas beaucoup d'idées, je vous avoue, pour... Un truc ici? Si, ça me paraît pas trop mal. Hop, voilà. Donc là, faut. Non, mais tu te prends pour qui, toi? Mais.
Ah merde, c'est vrai qu'il... Oh là, flotteur de dragon, te tuera. Donc il me faudra un four ici. Combien j'ai de cobble ici? Putain, c'est la crise! Hop, voilà, on va creuser un peu sous la maison pour aller chercher de la cobble. Je suis stupide, je ramasse de la cobble pour rien, voilà. On a suffisamment. Je suis désolé de pas présenter beaucoup de commentaires, mais je réfléchis à comment je vais les prendre. Ce sera pas des fours au final, je sais pas quel bloc je mettrai précisément. Mais c'est vraiment juste pour en attendant. Donc là, l'avantage de ce coin-là, c'est qu'il va pas se taper les murs en fait, c'est pour ça. Et du coup, genre, ouais, j'ai envie d'arriver ici. Genre ici. Ouais, je rendrai ça beaucoup plus beau après, hein. Ça, vous inquiétez pas. Et normalement, si je mets... Voilà. Ah oui, ouais, en effet. Ah, j'ai cru que c'était un pilier. Tac, hop, vous voyez, vous avez toutes les possibilités. Oh. Vous y croyez? Normalement, ça fait une bosse à l'extérieur de la maison, c'est ça? Oh mon Dieu, ça a niqué toute la maison. Oh shit. Sick touch. Et là, le bloc de quartz disparu. Et ben voilà, on découvre où est-ce qu'ils étaient tous pendant tout ce temps-là. C'est triste de devoir en arriver là, de voir de constater qu'ils voulaient fuir la civilisation. Au final, ils n'avaient pas disparu. Là, on arrive tranquille. Je rendrai ça plus beau, hein. Je mettrai pas des fours. Je vois pas ce que je pourrais mettre à la place. Déjà, on peut casser ça. J'en ai combien de... Oh bah c'est nickel. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'il en manque un. Quelque part. Oups, mince. Non, il en manque pas. Hein. Bref. Voilà, on a fait le petit ascenseur. Voilà, et aussi la petite déco extérieure, je me suis occupé d'en faire une vite fait. Je sais pas si ça vous plaît. J'ai changé le truc qui était là, je l'ai mis ici. Je trouve que ça fait mieux. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas pour vous, à vous de me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Je suis preneur de toute réflexion, des plus réflexionneuses, tant que c'est tant que c'est constructif, etc. etc. On a mis à peu près 13 minutes pour faire ça, les gars. Hein. Faut pas déconner. Donc, ah merde, bah attendez. Hop, voilà pour vous. Donc, on va aller chercher le cheval. On va aller faire une petite visite parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de visite. Comment ça produit? Vu que j'ai évité. Ouais, c'est bien. Voilà. Hop, allez. Donc on va aller visiter d'abord Clou et Lucas. On va voir comment ils s'en sortent de leur côté. Oui, c'est pour ça que je voulais faire ça dans cet épisode pour vous montrer, hein, pour vous montrer les différentes évolutions. Épicerie Clou 2014, c'est Lucas, d'accord. Ça, c'est une épicerie. Ils font des épices avec des œufs, bah dis donc, original. On clôt au mouton. Bah, c'est un peu la dèche niveau mouton. Hein. D'accord. Le petit champ. Petit champ de canne à sucre. Petite pyramide blétale. Le petit coin.
aller voir d'ailleurs, même si je crois que je vous avais déjà montré en vidéo. Voilà. On va aller là, mais je suppose qu'il n'y a pas grand chose depuis. Aïe. Ouais, voilà, voilà. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Bon, voilà, en gros. Ah! Un seul andal. Qui nous mène à. Ah, je sais pas quoi. Il y a un seul début de tour de garde minuscule. Bon, ça, c'est l'ascenseur. Pourquoi? Des fours. D'accord. Il est où? Ah, bah, viens. Et les Muriens, viens là. Les Muriens. Attention. On va aller voir chez YoCraft et Astros. Hein. Écoutez, je crois qu'ils ont pas tant que ça avancé par rapport à Clou et Lucas. C'est étonnant, au début c'est eux qui avançaient le plus. Maintenant ça a pas l'air d'être ça. On va peut-être aller voir Lotari. Ouais, on va aller voir chez Lotari aussi. On va vous présenter tout ça. Je sais pas s'il aura beaucoup bougé. Oui, mais 4 morts. Alors, il y a une mort d'un creeper, donc je vous raconter ça quand on sera chez Lotari. Alors, cactus, chant. Petite fontaine d'Astros. Salle des coffres, on s'en fout. Portail du Nether cassé. Pas grand chose. Une usine à poulet, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Ah ouais, d'accord. Ah, tu m'étonnes qu'Astros lag. Vu le nombre d'entités qu'il y a à charger. 325 quoi, putain. Les champs qui ont de la gueule grâce au shader. Voilà, on va aller voir chez Lotari. Bon, les Muriens peuvent que monter sur les arbres, ils peuvent pas monter dans l'eau. Nager dans l'eau plutôt. En même temps, on peut pas nager sur terre, mais. Ah, moi je dis la maison, ça fait un bon petit début. Bon, par contre, ça fait noir avec l'ombre, du coup, ça donne pas l'aspect quartz qu'il faut que ce soit. Parce que oui, c'est un aspect un peu quartz qu'il y a aussi. Le côté blanc, moderne qu'il y a. Qui est magique pour certains. Donc on va chez Lotari, n'est-ce pas? Parce que voilà, nous on est gentil avec Lotari Gollum, n'est-ce pas? Petit accéléré. Bon, voilà, nous y sommes. Petit accéléré très rapide, vous aurez pu le constater. Bah, on va passer donc le petit champ canne à sucre, ou enfin plutôt grand. Enfin, canne à sucre mise à mode. Vraiment mode Mamadou. Les plants de canne à sucre. Tac. Hop. Et donc, lance la petite maison de l'hôtel. Il a voulu me tuer, l'otarien, sans le vouloir. Les deux poules. Deux poupoules. Ici le stouf, le lit. Et on va vous. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme construction en premier, on va dire. On va vous montrer tout ça. Ça se trouve pas là. Donc oui, les morts. Donc une de creeper qui est apparue juste vers là. Vers là, en tout cas pas loin. Et donc je suis mort, comme un pauvre Jean. Le creeper m'a pété en plein sur la gueule de mon cheval et sur moi, donc du coup, bah, j'étais full fer, donc j'aurais pas dû au final. C'est là-bas, c'est vers là-bas. Donc je suis mort. Ensuite, ça a continué, on s'est barré là. Il y a Balou qui a dit, qui me menaçait avec un arc, j'étais en train de lui dire, c'est soit mon cheval, soit moi qui allais mourir. Donc du coup, bah, il m'a tiré une... Enfin, il était en train de bander son arc, il était comme ça, en face de moi. Moi, j'étais comme ça, comme un pauvre innocent. Et puis bah il est arrivé, il a fait ding, je suis mort, one shot. Du coup ensuite je suis revenu en tant que rancunier et une personne très revancharde. Voilà, là, ça chauffe aux fesses.
Et je suis arrivé, j'ai tué. Et lui, son cheval, sans faire exprès, son cheval. Voilà. Donc vous avez les causes de plusieurs décès. Voici. Alors là, vu qu'il fait nuit, j'ai pas le choix, je suis désolé. Le chez Lothar, enfin le début de truc de Lothar, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à bizarrement à pas grand chose actuellement. Là, on sait que c'est des piliers, hein, mais. On dirait un truc. Enfin, c'est le début d'un truc de nain, mais quoi précisément? Lui laisser un peu de redstone. 1, 2, 3. C'est pas symétrique. Mettre. Voilà. Et ben voilà les amis, donc on se retrouve soit dans quelques minutes, enfin dans quelques secondes pour vous, pour un best-of, soit bah je vous dis à bientôt, bye et à la prochaine, merci, bisous bisous, à la prochaine. Quoi? Mon dada, il est en train de crever. Voilà. T'as plus chaud. Tiens, on t'a bouffé les testicules. Bon, vous inquiétez pas. Bientôt, on se tape le Wither avec Baloué. Putain, mais tu vas calmer tes ovaires, toi? Voilà. Allez, ciao, les amis.